Bonjour, bienvenue sur Belle-Île. Ouais, je suis en Bretagne, à Belle-Île. Aujourd'hui, vidéo spécifique que je ne fais pas beaucoup, même que je ne fais pas du tout, sur, par rapport à l'histoire, la photographie d'histoire. Et je vais vous présenter un photographe avec qui je bosse depuis pas mal d'années, pour le plaisir. Donc, bienvenue sur Belle-Île. Pourquoi Belle-Île? Tout simplement parce qu'en fait Julien, qui est photographe, il a un shooting ici spécifique à Belle-Île par rapport à Sarah Bernhardt, avec un T à la fin. Donc, Julien, c'est le petit monsieur là, qui est là, donc petit photographe, avec Elodie, qui fait partie d'une association de costumes haut de gamme spécifiques, technologiques, bien là, niveau historique, c'est ça? À peu près. Et les deux qui vont se faire shooter un peu plus, Stéphane, donc il est là pour faire le journaliste, et Stéphanie, qui fait partie, ben, qui a son propre, comment dire, qui est actrice de l'histoire. Voilà. D'accord, donc Julien Daniello, donc 42 ans et auteur-photographe. Et là, on est en effet à Belle-Île, à Sauzon, à la Pointe des Poulains, donc à la pointe la plus au nord de Belle-Île, sur le site même où Sarah Bernhardt, donc, qui est cette célèbre comédienne, cette diva de la fin du 19e siècle, début du 20e, a acheté donc une villa au niveau un vieux fort militaire qui se trouvait là. Et donc elle s'est installée et elle venait passer ses vacances entre 1895 et 1920 sur cette pointe, fameuse pointe des Poulains. Donc pour ma part, donc, je poursuis un projet qui a abouti au bout de 4 années. Donc j'ai réalisé un ouvrage qui s'appelle Chronique de Bretagne, donc, qui comporte une centaine de mises en scène historiques sur l'histoire de la Bretagne, sur les 5 départements. Et de l'Antiquité à aujourd'hui. Donc ouais, photographe de l'histoire, je passe ça comme ça. Puisque c'est comme un des rares en fait en France, pour l'instant que je connaisse, qui fasse de la photo par rapport à l'histoire, donc des contextes bien spécifiques. Et bah, en fait, on va voir comment ça marche réellement avec les autres. Parce que moi, je suis là comme spectateur. Et c'est quoi le projet au fait déjà? On se trouve avec une petite équipe de 4 personnes et on part reconstituer l'année 1895 quand Sarah Bernhardt donc, a acquis ce fort des Poulains. Donc bonjour, moi c'est Elodie, je suis adhérente de l'association Crinoline et compagnie sur Pontivy depuis quelques années maintenant, ça va faire la 4e année. On fait de l'évocation historique, on part de l'Antiquité jusqu'à 1950. Voilà, je suis passionnée de costumes depuis toujours, passionnée d'histoire. Et voilà, je fais moi-même mes propres costumes. Toutes les adhérentes et les adhérents font leurs propres costumes également. Et on a un panel assez intéressant de costumes justement. On essaye de faire des sorties un petit peu sur la Bretagne et on organise un événement tous les 2 ans sur Pontivy. Ouais, donc la reconstitution historique, j'ai déjà parlé là, hein. Je vous mets le lien parce que j'ai déjà parlé de ce que c'est la reconstitution historique par rapport à l'évocation historique. C'est pas le même boulot, hein, du tout.
On va passer maintenant à Sarah Bernard. Je m'appelle Stéphanie Romégous, voilà, je ne dirai pas mon âge, mais parce que j'ai tous les âges. En fait, je fais toutes les époques historiques et préhistoriques, depuis le néolithique jusqu'à la guerre 39-45 à peu près. Et ma passion, bah, je ne sais pas trop d'où elle vient, mais j'ai fait une fois une recherche pour faire un costume médiéval, et puis voilà, ça a démarré comme ça. Et là, je vais fêter presque les 10 ans de ma petite entreprise. Je fais des animations historiques dans les musées et les sites historiques pour les rendre vivants. Donc je choisis soit un personnage ayant existé, comme aujourd'hui Sarah Bernard, soit des personnages que j'invente mais qui auraient pu exister. Ça peut être une servante de quelqu'un d'important, enfin voilà. Ça permet comme ça au public de se rapprocher un peu de l'histoire. Donc je fais des visites théâtralisées puisque je suis aussi guide conférencière. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, Sarah Bernhardt, que j'admire beaucoup. Photographe, il prend des choses très intéressantes et des gens très intéressants parce qu'autrement, c'est de la merde. Non, je déconne. Et on a un copain barbu. Non, je déconne, un copain de cheveux, voilà. Et c'est pas de la merde. Et c'est pas de la merde. Hein, le crâne comme ça, c'est lui, c'est génial. Vous avez vu ? Donc, toi, tu n'es pas dans le spectacle ? Non, je suis pas dans le spectacle. Non, je fais de la reconstitution historique tout de même. Différentes périodes, je traverse notamment l'Antiquité surtout. Avec la Légion 8 Augusta qui est basée à Autun. Bref, sur ce, en tout cas aujourd'hui, on est venu prêter main forte à notre copain Julien avec son super projet, son superbe livre, achetez-le, Les Chroniques de Bretagne, parce que c'est un vrai plaisir déjà entre potes de pouvoir découvrir un tas de régions un petit peu partout et notamment la Bretagne avec plein de superbes recoins. Et puis parce que ça permet aussi de découvrir des lieux fermés au public, un tas de belles choses. Pour moi aujourd'hui, je vais faire un simple journaliste et ça m'ira très bien. Les Chroniques de Bretagne est le premier ouvrage de Julien qui comprend 100 moments de l'histoire de la Bretagne et tout ce que l'on connaît en tant que territoire. On commence par le néolithique en -5500. Et l'on suit l'histoire au fil des siècles et de ce que l'on connaît sur cette période historique. Une majorité de personnes qui a posé pour ce livre est issue de la reconstitution historique. Et la minorité a eu des costumes prêtés pour faire un rôle spécifique, suivant la demande. Je suis moi-même dedans, quelque part. On pourra aussi voir plusieurs fois les mêmes personnes suivant les époques reconstituées. Le livre se termine en 2011 avec le naufrage d'un bateau. Le deuxième livre est en cours de photographie. Et l'on revient avec Stéphanie en Sarah Bernard, qui a posé plusieurs fois pour ce premier livre. Donc là, on est au musée de Sarah Bernard, sur Belle-Île, hein, donc qui correspond forcément à sa vie. Et donc il y a des photos qui vont se faire ici, je crois, et dans sa villa personnelle. Donc forcément, les photos se font dedans et dehors. Normal. Pour mettre en situation différentes scènes d'un contexte historique, et que forcément il y a toute la part de créativité qui va derrière, d'artistique, c'est tout à fait logique. Libre au photographe. S'il n'a pas un plan spécial, eh ben il a plusieurs idées en tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on va chez Sarah Bernard.
l'instant, je sais pas du tout quel angle je vais prendre. Mais en tout cas, ça donne envie. Super. Ne bougez pas. Nickel. J'aime bien quand c'est cramé, un peu au niveau des fenêtres. Ça crée un aéro. Dehors, dedans. Maintenant, on change de place, on va dehors faire des photos. De toute façon, hop, voilà, il n'y a que ça à faire. On change de position et c'est cramé. Attention, c'est blanc. Donc ça, c'est une robe inspiration fin 19e siècle. Voilà. Une évocation. C'est le type de robe, je crois, 1867-1895. Ouais. Donc. C'est ça ? 1888, normalement. 1888. Ouais. Voilà, donc bon. Donc c'est encore un peu de travail. Ouais. Une photo historique, donc plusieurs tableaux en fait, que ce soit enfin n'importe quelle époque en fait, tout simplement. Un petit truc qui est intéressant, la maison de Sarah Bernard, voilà, ça là, ça était un fortin sous Napoléon III, et on en trouve plein partout sur toute la côte française de ce type de fort. Si, voilà. Allez, on bouge plus. Thank you.
Bah ben voilà, la vidéo maintenant terminée. J'espère que le côté photographie et présentation d'historique vous parlera un petit peu. Merci beaucoup à Valérie pour l'accueil sur le site, sur la maison et le fort de Sarah. Merci beaucoup aussi à Julien, Stéphanie, Stéphane et Elodie pour leur petit accueil aussi et le fait qu'ils ont accepté que je les filme. Voilà. Donc on se dit à une prochaine vidéo et moi je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais en fait. Bon allez, salut.